Good morning, bonjour. Donc, je vais faire ma skincare. Donc, ce sera un ASMR skincare. Hello guys, bonjour, bonsoir, ça dépend de à quelle heure vous regardez la vidéo. Je voudrais juste faire un pop-up pour vous dire merci d'avoir cliqué sur la vidéo, merci de vous être abonné, merci de la liker et merci de commenter. Vos commentaires seront considérés comme des feedbacks pour moi, je vais vraiment les considérer comme des retours. Dites-moi s'il y a des choses à améliorer vu que c'est une première vidéo. J'apprends beaucoup de choses en ce qui concerne le montage, en ce qui concerne comment filmer, en ce qui concerne le cadrage, etc. Donc, dites-moi s'il y a des choses que je dois améliorer. Donnez-moi vos feedbacks sur les commentaires. Dites-moi aussi sur plein de sujets dont vous voulez que je fasse aussi des vidéos. Sur pas mal de choses dont vous voulez qu'on parle. Aussi, je voudrais en profiter pour vous parler de l'objectif de la chaîne et de pourquoi je l'ai créé et de pourquoi j'ai commencé à publier maintenant. Parce que la chaîne, je l'ai créée depuis 2020. J'ai voulu publier des vidéos depuis 2019-2018. Mais voilà, je pense que c'était juste pas le moment. En même temps aussi, je me sentais pas prête à publier des vidéos sur YouTube. Et là, je peux dire que je suis prête. Je ne suis pas techniquement prête, mais je me suis dit, allez, vas-y, on s'en fout, on le fait. Puis si ça marche, ça va. Puis si ça ne marche pas aussi, on aura essayé parce qu'on a vraiment... C'était quelque chose que je voulais vraiment faire depuis très longtemps. Donc je me suis dit, je veux le faire, donc je vais essayer et voir ce que ça va donner. Voilà, donc l'objectif de la chaîne, c'est vraiment faire des vlogs, lifestyle en gros. C'est par ça que je veux commencer. Je voudrais vraiment... parler sur certains sujets spécifiques qui me passionnent parce que je suis passionnée de pas mal de choses. Vu que je viens de déménager à Montréal,
Il y a plein de choses que je dois visiter. Je me suis dit pourquoi pas commencer par des vlogs et on verra ce que ça va donner sur la suite, sur les sujets spécifiques dont je voudrais parler. On va apprendre à éditer, à monter, connaître un peu l'algorithme de YouTube en faisant les vlogs, lifestyle. Je vais aussi vous partager ma vie, partager une petite partie de ma vie quotidienne, surtout les études, parce que je suis étudiante en génie de la construction, donc je vais pratiquement partager mes temps d'études, de comment je m'organise pour étudier, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux à faire sur mes études. J'ai beaucoup de cours et dans chaque cours, il y a beaucoup de choses à faire dans mes cours. Donc, je vais partager à comment je vais partager comment je m'organise pour mes cours, comment j'étudie, comment je fais mon planning. En même temps aussi, je travaille à côté. Donc, je vais partager pas mal de choses et on va se motiver ensemble. Ça va me pousser à faire pas mal de choses que je vais montrer sur ma chaîne. Et aussi, filmer avec mon téléphone quand j'étudie m'aide beaucoup à me concentrer davantage parce que je suis une personne qui est distraite très très facilement. Surtout avec les notifications de mon téléphone, c'est pour ça que je suis tout le temps en mode ne pas déranger. Mais parfois, le mode ne pas déranger, tu reçois quand même des notifications, c'est un peu bizarre. Donc, juste poser mon téléphone et filmer, le mettre totalement l'abandonner quelque part et me filmer en étudiant, etc. Ça me permet de m'éloigner un peu de mon téléphone pendant 1 heure ou 30 minutes où je me concentre réellement sur ce que je suis en train de faire. Donc ça m'aide beaucoup pendant les études juste de poser mon téléphone et de me filmer. Aller dans la rue aussi, filmer quand je suis dans le métro, etc. Donc ça aussi c'est cool à faire, découvrir pas mal de choses. Et aussi le fait de filmer tout ça me permet d'avoir des souvenirs. Je vous remercie de vouloir faire partie de cette communauté. On va se motiver ensemble, on va se motiver sur les études, on va se motiver sur la vie, on va se motiver ensemble en gros. Je m'appelle Fatoukine, j'ai 23 ans et je vis à Montréal. Et bienvenue sur ma chaîne. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir cliqué sur la vidéo, merci beaucoup de la liker, de commenter, de me donner vos feedbacks. Et merci beaucoup de vous être abonné. J'espère que vous allez passer un bon moment sur le reste de la vidéo. Bye!
cette stylet. Elle vient de chez Amazon, elle n'est pas du tout en Apple Pen. Je l'ai acheté à 24$, à 20$ sur Amazon. Puis elle me convient parfaitement. On va passer au make-up. De chez Winners, je l'avais acheté chez Winners au début de la session, mais j'ai trouvé qu'elle était trop petite. Et pour une journée où j'ai juste un examen en cours, pourquoi pas? La trousse où il y a tous mes stylos, trousse où il y a le chargeur de mon téléphone, le chargeur de ma tablette, le chargeur de mon ordinateur, le chargeur de ma calculatrice, le chargeur de mes écouteurs et des écouteurs de secours, même si j'ai ça. Parce que je ne peux pas vivre sans des écouteurs en fait. D'habitude, je mets ma souris dans la trousse où il y a mes chargeurs, mais bon, cette fois-ci, j'ai juste décidé de sortir. Je te laisse celui-là, il est presque fini. Et celui-là de chez Summer Friday, Crème Mate. Je mettrai de l'eau une fois à l'école.
Bonsoir, il est 5h28 et en ce moment je suis à l'école pour, je reste à l'école pour réviser. Donc la raison pour laquelle je parle doucement, c'est parce qu'il y a des gens qui étudient à côté. C'est comme une bibliothèque, mais pas vraiment une bibliothèque. T'as le droit de parler, mais pas trop fort pour ne pas déranger les autres. Donc vous allez étudier avec moi aujourd'hui. La vidéo va être un peu bordélique, mais bon, anyway. Ok. Pendant que j'étudie, j'ai mon snack, j'ai mon café. Ouais, il est 5h et je bois du café, je sais pas pourquoi. Pistis à la framboise. J'espère juste que le cadrage est bon. Je viens tout juste de finir ce que je voulais étudier. Bon, je n'ai pas techniquement terminé tout, mais j'ai quand même fait une grande partie, pas la moitié malheureusement. Je vais juste éteindre mon ordinateur, ranger mes affaires. I really want to have this, but not this for a long time. It's cute. Oh, this is cute. Yeah. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my love. Prochaine station, Lionel Bourou. Correspondance avec la ligne verte.